zéro gravité. Sortie d'une zone en zéro gravité. Habilitation confirmée. L'ingénierie Ariel Rousseau, au rapport. La maintenance de la centrifugeuse est... Je disais quoi? Je dors mal depuis l'arrivée de ce monolithe. Je suis un peu... La seule chose dont je me souviens bien, c'est de cette inspection des moteurs. En entrant dans la salle au lieu du moteur principal, il y avait... un cœur. Un cœur de la taille de la pièce qui battait. Encore et encore. Ensuite, Henderson a dit un truc et quand j'ai tourné la tête, c'était redevenu une machine. Et j'entends encore ces battements au loin. C'est presque apaisant. Est-ce que ça pourrait m'aider à dormir? Si je me rapprochais assez... Si j'entrais, peut-être, là où il fait chaud et sombre. Oui, pourquoi pas. Thank you.
zone en zéro gravité. Thank you.
entrée en zéro gravité. Sortie d'une zone en zéro gravité. Sortie d'une zone de vide. Médical. Arrêt imminent, pôle médical. Thank you.
Cal, Dr. Nicole Brennan. J'ai bien fait d'être paranoïaque. J'utilisais cette salle pour diriger des séances de conseil sans que les unitologues n'interviennent. Maintenant, c'est le seul endroit où je me sens en sécurité. J'ai récupéré un morceau de corps de l'attaque d'hier. Génétiquement, c'est du tissu humain, mais il a subi d'étranges mutations. Mais c'est qu'un échantillon. C'est pas suffisant pour un remède. J'ai besoin... Attendez, où est passé ce rapport de l'ingénierie ? Ah, le voilà. Les ingénieurs ont retiré quelque chose de leur machine. Il manque des membres, le buste est intact. Bon. C'est parti pour l'autopsie. Habilitation confirmée.
Habilitation confirmée. Habilitation confirmée. Lancement de l'analyse ADN. Concordance trouvée pour Brand Harris, entrepreneur minier Aegis 7, médecin enregistré Dr Chalus Mercer. Alerte, anomalie ADN sévère détectée. Une recherche par RIG est disponible pour retracer une éventuelle contagion. Autorisation accordée. Harris, qu'est-ce que Mercer vous a fait ? Autorisation accordée. Synchronisation des journaux et points d'intérêt avec le traceur RIG. Merci de votre dévouement à la santé publique. Thank you.
Maintenant, ça enregistre. Là, regardez vers le haut. Juste un petit bout d'os entre les secrets du monolithe et nous. Détendez-vous. Ce ne sera pas comme à Aegis 7, ce désagrément avec votre infirmière. C'était pas une infirmière quand... j'ai fait ça. Mais cette mission que vous voulez que je fasse dans le dépôt de minerais... les mineurs ne vont pas apprécier. Ils sont sûrement aussi obtus que les mineurs de la colonie, pas vrai? Tourmenter quelqu'un parce qu'il est un peu différent. N'ont-ils pas mérité une belle frayeur? Ouais. Ouais, c'est vrai. Je suis prêt. De me montrer. Ils ont faim. Ils arrivent. Ils nous uniront. Docteur, je le vois maintenant. Le monolithe parle. Et on peut répondre. Dites-moi comment. Recherche d'activité de Rig. Habilitation confirmée. Thank you.
Erreur. Dysfonctionnement de l'alimentation. Veuillez patienter. Réussi. Isaac, un vaisseau nous a contactés. L'USM Valor, il a dû intercepter notre signal de détresse. Si vite? Qu'est-ce qu'un vaisseau militaire fait si loin? Il est peut-être en patrouille. Bref, vu la situation, n'importe quelle aide serait la bienvenue. Rejoins la salle des communications. Une fois qu'on aura réparé l'antenne, on obtiendra toutes les réponses qu'on cherche. Sur notre fréquence.
C'est peut-être le problème de l'antenne de communication qui s'aggrave. Non, c'est pas ça. Enfin bref, la porte vers la salle de communication devrait être ouverte. Tu devrais pouvoir te rendre vers la salle de contrôle. Et Isaac, fais gaffe à ce que tu dis. Je pense que quelqu'un nous écoute. Habilitation confirmée. Habilitation confirmée. Habilitation confirmée. Habilitation confirmée. Antenne de communication hors service. Un technicien a été prévenu. Journal.
journal des communications. Premier opérateur Bailey au rapport. J'aimerais que ceci soit enregistré. Le vaisseau est attaqué, mais le capitaine Matthews refuse l'envoi de tout appel de détresse. Et on sait tous pourquoi. Cette opération tout entière est illégale. Aegis-7 a été condamné. Il le savait, on le savait. Et on s'est tous tués. Mais c'est fini maintenant. Mayday, Mayday, Mayday. Ici USG Ishimura. J'appelle. Mais... qu'est-ce que... Seigneur, il a désactivé l'antenne de communication. C'est foutu. HS. Quelqu'un a trafiqué les émetteurs pour faire griller le système. On est foutus, c'est ça? Non, le boulot a été mal fait. Certains émetteurs sont intacts. Si je les remplace et que je crée un nouveau circuit fermé, on devrait pouvoir envoyer un signal. À courte portée, mais c'est déjà ça. Ok, c'est ça. Moi, je vais continuer de surveiller. Rapport d'activité du capitaine Benjamin Matthews au Paragon Jordan Luna. Ce sera ma dernière transmission. Ensuite, je veillerai à ce que notre pèlerinage se déroule sans accroc. Nous avons réussi à rapporter le monolithe sacré à bord. Le docteur Kine, un expert du monolithe d'origine, est en train de déchiffrer ses secrets. Désolé d'avoir placé Aegis-7 en quarantaine. Le travail du directeur Eckhart en a peut-être souffert, mais... une sorte d'épidémie s'est déclarée. Ceci dit, le démantèlement planétaire commence demain, comme prévu. La CEC peut supprimer son opération illégale maintenant que nous détenons la vraie récompense. Quel gouvernement terrestre essaie de cacher ça? Gloire à Altman. Matthews terminé. Habilitation confirmée.
Admiral Valor. Ici l'USM Valor. Nous transmettons sur toutes les fréquences de l'USG Ishimura en réponse à votre signal de détresse. Nous avons récupéré votre capsule de sauvetage numéro 47 et sommes en route vers votre position. Ce message se répétera toutes les 30 secondes jusqu'à votre réponse. Une capsule de sauvetage? Merde! C'est la capsule qu'Amund a éjectée! Jen! Enfin, cette créature était à bord! Non, non, non! USM Valor, vous me recevez? À vous, Valor! Ah, notre signal est trop faible! On peut déployer l'antenne longue portée? Non, il y a quelque chose qui bloque les portes au niveau de l'antenne. Qu'est-ce... Il doit y avoir une commande manuelle au niveau de la maintenance. J'y vais. Toi, essaie de les contacter.
Erreur. Porte bloquée. Veuillez contacter un technicien. J'arrive toujours pas à atteindre le Valor. Il se passe quoi avec l'antenne? Elle est bloquée par ce maudit Léviathan. Il a dû se raccrocher à l'antenne quand on l'a envoyé dans l'espace. Il a l'air bien décidé à en découdre. Isaac, y a pas le temps. Si. Si j'utilise des canons de défense, avec la visée manuelle, je devrais pouvoir l'expulser de la coque. Je m'en occupe. Concentre-toi sur le Valor. Entendu. Vide.
surtout pas cette capsule. Je répète, n'ouvrez pas la capsule. Vous me recevez? Daniels, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose a secoué le pont d'équipage. On a touché un astéroïde? Ces choses sont montées à bord du Valor. Un vaisseau de secours. Ils ont trouvé votre capsule de sauvetage et la créature qui est devenue Chen a... Nom de Dieu! Le Valor est foutu. Le temps qu'un autre vaisseau intercepte la balise de détresse, on sera tous morts. Non, c'est ce que je vous disais. J'ai trouvé une navette sur le pont d'équipage. Elle est intacte. Et le registre dit que cette navette n'a plus de réacteur. Elle pourra pas nous ramener chez nous. Attends, peut-être que si. Si le réacteur du Valor est intact, je pourrais le récupérer, l'installer sur cette navette, et on se tira d'ici. Le Valor est où maintenant? Vers les coms. Parfait. Isaac, je vais prendre une tenue pour rejoindre le Valor. Rendez-vous là-bas, nous trouverons ce noyau ensemble. La COC nettoiera son propre bordel. Moi, je vais sauver ce que je peux. Je suis à bord. Le Valor est mort, mais je peux atteindre le pont. C'était quoi ça? Sortie d'une zone en zéro gravité. Sortie d'une zone de vide.